Alors l'apôtre Paul indique le but pour lequel Dieu a fait des plans pour nous. Et j'insiste sur le fait que ici prédestiné, c'est pas choisir lui plutôt que lui, parce qu'on verra plus tard que l'objet du salut n'est pas la prédestination, le plan que Dieu a fait pour nous d'avance, mais c'est la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans Éphésiens. Mais on insiste juste sur le fait que Dieu a préparé un destin pour nous, que Dieu a des plans pour nous, que Dieu, par amour, a des plans de faveur et d'amour, de grâce, et que nous soyons des enfants adoptés, que nous soyons enfants de Dieu, et tout ça, Dieu, avant la fondation du monde, a choisi, a résolu, de nous aimer et de nous bénir de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme nous l'avons déjà vu. Alors on finit avec la phrase du verset 5 aujourd'hui. Donc il est dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de la grâce, de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et j'insiste aujourd'hui sur le bien-aimé. Nous avons reçu une faveur, une grâce, un amour qui a été manifesté dans le bien-aimé. Et là, il y a tout un paradoxe ou tout un équilibre là-dedans, parce que Jésus est le bien-aimé et c'est nous qui sommes favorisés. Et Jésus, le bien-aimé, et c'est nous, en fait, qui sommes bien-aimés en Jésus, puisque nous avons, par amour, reçu une faveur, une grâce de devenir enfants d'adoption. Jésus est le bien-aimé, vous vous souvenez de la voix qui s'est fait entendre lorsque Jésus a reçu le baptême avec Jean-Baptiste, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Eh bien, Jésus est le Fils bien-aimé, et l'apôtre Paul montre ici que c'est dans le bien-aimé, en Jésus, ici évidemment c'est Jésus le bien-aimé, mais que c'est dans le bien-aimé, que c'est en Jésus, que nous aussi, nous devenons comme Jésus, à savoir bien-aimé. Jésus est le Fils, et nous aussi, nous devenons comme Jésus, enfants d'adoption. Donc il y a une identification ici qui est en train de se former, et l'apôtre Paul va le montrer davantage plus tard dans l'épître aux Éphésiens. Nous avons un plan, un dessein, nous avons un destin de devenir comme Jésus, de devenir enfant de Dieu comme Jésus est Fils de Dieu, et de devenir aussi et d'être aussi bien-aimé comme Jésus est le bien-aimé. Jésus est donc celui qui a ouvert une voie et nous sommes appelés maintenant à être comme lui, à marcher comme lui. Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils bien-aimé et ça, c'est toute une bénédiction de le réaliser aujourd'hui. Dieu nous aime tellement. Thank you.